Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Pseudal. Et vous le savez, on se retrouve pour le dernier chapitre de Lego Batman, le jeu vidéo. 5 petits derniers niveaux à faire. Alors, surprise, il y aura du bonus, il y aura un petit peu de bonus, mais vraiment 5 derniers à poncer. Les derniers mini-kits, les dernières briques rouges, les derniers citoyens sauvés. Donc, épisode 55, si je dis pas de bêtises. Non, 56, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, j'y suis pas. Parce que oui, alors voilà, je voulais vous montrer. J'ai eu le dernier mini-kit qui me manquait. Hein. Je vous avais dit, genre, c'était galère à avoir. Et apparemment, j'ai lu sur plusieurs forums que c'est vraiment le mini-kit le plus chiant à avoir dans la glissade. Mais regardez, chapitre 2 complété. Donc, on va pas perdre de temps. À partir pour le chapitre 3, donc voilà, j'ai rien récupéré du tout. Vraiment, les derniers mini-kits qui manquent. La dernière brique rouge. Donc, surprise pour le commissaire. Jeu libre. Bon, pour la waifu, évidemment, ça n'a pas changé. Et on est parti. On est parti. Ah, je suis content. On va arriver à bout de ce jeu de mort. Non, ça, on a déjà lu. Je passe. S'il te plaît, le jeu. Voilà. Alors, j'ai le détecteur de mini-kit activé. Ah oui, j'ai le multiplicateur de score activé perpétuellement. Alors, donc là, on est OP. Hein. On a le x10. Donc, enfin, x2, x4, x6, x8, x10. Ça fait 3840. Et en plus, j'ai le multiplicateur de score perpétuel. Donc, les gars, on est riche. Alors, je crois qu'il y a un perso qui coûte cher dans ce jeu. Et c'est un bonus. Donc je l'achèterai évidemment, je vous montrerai les persos. Alors premier mini-kit, pardon, je parle, mais écoutez, mais je suis content. Je suis content d'arriver à bout de ce truc. Alors, là il faut passer. Alors je vois qu'il va falloir aller devant. Alors on pousse. Alors ce niveau vous le connaissez, hein, vous le connaissez. Alors pour vous c'est pas... C'était pas flagrant, mais je vous l'avais dit, j'avais dû recommencer plusieurs fois ce niveau à cause de mon OBS et ma carte graphique qui voulait plus suivre la cadence. Ça arrive. Écoutez. Hop, je récupère évidemment. Merde, oh là, je fais n'importe quoi. Oh non, dis-moi que je passe. Oui. Donc là on peut voir le deuxième mini-kit. J'ai failli tomber, ça a failli être terrible. Je sais pas si on aurait pu remonter, je vais pas prendre le risque. On pète à l'ultrason. Deuxième mini-kit, on est content. On enchaîne. Alors oui, non, mais Je m'en fous que tu m'expliques ça. Donc voilà, 1 sur 3. Donc il en faudra, vous avez compris, 3. Parce que là on suit. Allez, ça dégage, on perd pas de temps. C'est vraiment le dicton de ce let's play entier. On perd pas de temps. Est-ce que j'en ai perdu? Oui. Alors là on voit l'otage qui se fait défoncer la margoulette. Ah d'accord, c'est un objet Lego argenté. C'est pour ça que la dernière fois j'ai pas pu le faire. On va mettre la perte. 22 sur 25. Troisième kit. On pète tout, voilà, on peut construire le levier. Et on le chope. Alors j'essaie de ne pas faire trop d'ellipses, hein. J'en ai fait énormément dans le dernier chapitre. Enfin, alors je vous parle, les vidéos sortiront pas tout d'un coup. Ça fera quelques pauses. Continue. Alors est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui, je me souviens, il y a quelque chose à faire. Alors. Déjà on peut utiliser le Joker pour... Joker. Oui, il serre la main d'une manière spéciale. Bon, on sait. Je pense c'est juste pour la thune ici. Ouais, bon. Ah, il m'attaque pas. Ben oui, mais c'est mon sbire.
Ouais, non, non, c'est juste pour la thune, on va arrêter tout de suite les conneries. Alors, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai commencé à tourner, je renifle du nez. Évidemment, hein. C'est le mot du tournage. Alors là, il va falloir faire un truc, ça me bourrine de détecteur. Alors, carte de levier, je pense que voilà. Voilà. Ah, voilà, active le levier. Il y a des ennemis. J'ai joué au jeu vidéo. Ça fait quoi en vrai si je l'active? Absolument rien. Bon, je l'ai activé par acquis de conscience. Et quatrième mini-kit. Alors ensuite. Ensuite. Ah, j'avais pas l'indicateur, d'accord. Ah mais c'est pour monter. Ouais, bah... normalement, il peut me suivre. Normalement, il peut me suivre. Il doit me suivre. Alors, je vais prendre Poison Ivy, hein, tout de suite. Oh merde. Oh pardon. Je suis navré. Vas-y, remonte. Voilà. Alors. Voilà. 2-5. Je regarde mes notes. On est bon. On est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fais? Alors, j'ai glissé. Mais est-ce que c'était... Alors là, faut jump sans doute, mais je vais pas le faire. On peut voir qu'on a... Oh, bah, je suis un peu con. Batman, tu l'as déjà. Alors, un truc pour s'accrocher. Ouais, je perds des pièces bleues. Ne me le dites pas. Ça me chagrine. Vous voyez, j'essaye de pas trop perdre de temps. Ah, c'est que j'approche de la fin, donc je me dis, allez. Allez, sois fou. Sois fou, rush. On est presque à la fin de ce jeu mort. Alors 6, je regarde. Ok. Alors. Ensuite c'est très simple. On continue. Un double jump, ça passe. J'avais le Joker, je savais qu'il fallait appuyer de l'autre côté. Voilà, ouais. Hop, on prend la poison. Alors, je crois qu'avant d'aller à la suite du niveau, il faut que je fasse un petit truc. Ouais. C'est chiant, ouais. Batman, défends-moi là. Voilà, fais-les tomber. Bon, fais-les tomber ou je m'ouvre. Et là, je crois qu'avant d'aller à la suite du niveau... Bah alors? Ah non, ça va déplier l'échelle. Ouais, d'accord. Là, je crois, voilà. Alors. Bibi. Ok. Ça passe. Ah, il est activé? Non, l'IA qui active automatiquement le truc. Incroyable. Incroyable. Donc vous montez. Vous allez tout à droite et là. Ah, la brique rouge. La brique rouge, et voyez, c'est argenté. Donc rien de plus simple. Et voilà. Et j'aurais jamais dû faire ça. Oh, si je reviens là, c'est parfait. Ok. Alors normalement, 6, on a l'otage, on a la brique rouge, je regarde mes notes, et bah écoutez, on est tout bon. On est tout bon. Suite du niveau. Alors. Il y a un mini-kit sous la flotte, donc on va essayer d'aller...
Voilà, dans les petits canards. Le Robin Plongeur. Parfait. Alors, par contre, je sais pas, non. Je peux pas remonter. Allez. Ok, il va falloir récupérer des briquettes. Ah, alors j'aime pas Mr. Face quand il fait ça. Alors, il va falloir récupérer des briquettes. Oh, il se bat. Oh, il se bat. Joker sort la Wii, non mais je m'en fous, hein. Je m'en contrefous, gros. Encore ? Allez, hop. Alors, je regarde. Donc, il me faut les briquettes. Les briquettes, les briquettes, les briquettes. Vous récupérez les briquettes. Je pense que c'est le mini-kit là qui panique un peu, là, ça doit être ça. Alors normalement j'ai pas raté la dernière sculpture avec Mr. Freeze là. Enfin, la dernière sculpture, vous avez compris là, le truc. Les trucs à geler. Ça c'est quoi si je t'active. Ah bah voilà, bah oui. Et bah c'était ça. Et bah elle était là. La dernière sculpture. Ah, le cône de glace. Et mon mini kit. Et de 8. Bah plus que 2. Plus que 2. Alors je suis à 18. Je suis à 18, va falloir que je trouve. Ah bah les deux derniers mini-kits sont juste à côté de nous en fait. Hop. 21, 22, 23, 24, 25. Et bah, allez vas-y 2 de plus. Ah d'accord, ok. Ouais, donc une petite voiture et là on peut faire des choses. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Faut passer. Ah je vois, ok, c'est le jeu des couleurs, c'est ça. Donc là j'ai du vert. Je devais avoir du vert sans doute. Le rouge. Allez, monte avec le rouge. Le bleu. Ouais, allez, tu fais un. Ah merde, ok, faut passer par en dessous. Boum boum, Big Shack. Et toi, je t'ai vu. Ouais, il suffit juste de faire le petit virage. Et boum. Et de 9. Et le dernier, on le voit là. On le voit là. Et je crois que je sais ce qu'il faut faire. Ah oui, c'est sous un garage. Donc je pense qu'il faut amener un véhicule là-dedans. Ah bah, ouais, ok. Ok, je vois. Ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Ah oui, putain, il y a l'histoire des couleurs là-dedans. Oh, attendez. Je pense que hop, voilà. Ça s'ouvre, ça s'ouvre. Et bah voilà. Bah, niveau complété, bah, on va se grouiller de le terminer. Ah mais je me souviens plus de l'ordre des couleurs moi. Comment je fais pour passer? Ah mais attends. Oh le pif. Ah non. On va tester, hein, on va tous tester, et puis c'est tout. Bleu, jaune, rouge, et on fera bleu, rouge, jaune si c'est pas ça. Voilà, bleu, rouge, et jaune. Bon bah voilà. Ah oui, c'est bon, on affronte le commissaire Gordon là. Bah écoutez, on va le faire. On va le faire. Merde.
Joker. Joker, et tu montes là-dedans. Ah oui, mais faut le taper. Aïe. J'avais oublié qu'il fallait le taper. Toutes mes excuses. Je me fais déboîter. Alors, là, on prend. J'allais dire. Je prends une peluche, elle fait tomber ça là-dessus. Là, il redescend. J'ai toujours pas la boule d'invincibilité. Alors, ça se trouve, j'ai débloqué. Hein. Ça se trouve, je suis un gros sac. Ça se trouve, je suis vraiment le pire des sacs. Hein. Hop, voilà, deuxième quintard. Deuxième quintard, on prend une peluche. J'ai cru que j'allais misclic. Alors, on aura plus perdu de temps sur le combat de boss que sur l'entièreté du jeu. J'ai rushé, on a tout trouvé. Donc, je sais pas si je vous dis navré. Allez, le dernier coup. Allez, focus. Et boum, et fin du niveau, mesdames et messieurs. Construction rapide. Alors ça, je vais la prendre parce que c'est un gain de temps. Oh là là, on a 4 milliards de pièces. Ah, on peut pas dépasser les 4 milliards. Ah, c'est con ça. Oh le jeu. Oh le jeu nul. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le code d'Harley Quinn. Ah oui, c'est le code d'Harley Quinn. J'aime beaucoup ce véhicule dans Lego Batman 2. Que vous aurez un jour, hein. Évidemment. Pas maintenant. Il faut finir ça. Eh bien écoutez, c'était Pseudal pour l'épisode 56, c'est pas 55, vous voyez, je me trompe pas, 56 de Lego Batman, le jeu vidéo. Donc encore 4 niveaux, et ce sera terminé. Enfin, il y aura les bonus, je le redis. Mais écoutez, d'ici là, portez-vous bien. C'était Pseudal et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.